the vet called Jesse, the gang, and say that you have to come right now because it's possible that the dog will die. Le chien était vraiment dans un mauvais état et qu'il fallait qu'elle vienne maintenant parce qu'il était fort possible que le chien allait mourir. J'ai pas envie de faire un live expressément sur le cas de Jesse de Gang et sa chienne. Je commence par ça, mais après j'aurai beaucoup de choses à dire pour vous permettre à vous de faire en sorte d'éviter que ce genre de choses vous arrivent. I'm gonna tell you a lot of things just after to give you the possibility that nothing of all of this happened to you. She tried to do her best to go and see her dog for the last time. Elle a fait du mieux qu'elle pouvait partir du travail pour aller voir sa chienne le plus vite que possible. Effectivement, Justin, the dog of obviously Justin, the dog of Spartan was almost dead, but she was really lucky. La chienne de Spartan est presque a failli décéder, mais elle a vraiment été chanceuse. I'm gonna give you 5 advices. Je vais vous donner 5 conseils. You know where you are, or some people went there before. You even don't know what the truth. On the ground. Parfois, tu vas dans des endroits où il y a les gens, il y a des gens qui sont passés par là. Des fois, ils ont peut-être mangé tu sais pas quoi, ils ont jeté le papier comme ça par terre et ils laissent des odeurs. And dogs can smell it. They can smell all of this. And sometimes they can eat something and you will even don't know that they swallow something. Maybe pepper, maybe food, maybe a toxic food. You even don't know what they will swallow and have in their stomach. Parfois, ils vont partir, ils vont commencer à manger des trucs que vous ne savez même pas. Vous êtes dans le noir, parfois même dans le jour, mais ils sont dans un petit coin. Ils ont senti un truc. Ils l'ont mangé, ils l'ont avalé. Et vous allez même pas savoir qu'ils ont mangé une nourriture qui peut être toxique pour leur corps. If you remove everything in a room and you think that everything will be okay, si tu retires tout ce qu'il y a dans une pièce en pensant que tout va bien se passer, you know the dogs are so smart, so intelligent. Tu sais, les chiens sont si malins, si intelligents. Who will say to you, don't use the cage, it's too easy. Tous les éducateurs qui vont dire, tous les éducateurs canins qui vont dire, n'utilisez pas la cage, c'est trop facile. And I don't care because if your dog eats something, it means that your dog is a bad dog. And you are a bad owner. Parce que certaines personnes peuvent agir genre, moi je peux partir parce que mon chien il se comporte bien, mon chien il mange rien. Et si ton chien mange des choses, ça veut dire que ton chien il est mal éduqué et que toi tu es un mauvais propriétaire. But it's a mistake to think like that. Pour moi, c'est une erreur de penser comme ça. So you act like you want, but I just give you some advice. Tu peux agir comme tu veux, mais moi, je donne juste des conseils. What's happening here? The dog of a friend of me is dead. The bitch, la chienne d'une amie à moi est décédée. So it was not my best friend, someone like my best friend. C'était pas quelqu'un comme un meilleur ami, but it was someone in the dog's world in Belgium. Mais c'était quelqu'un dans le monde du chien en Belgique. And she had a dog, a bitch, a female. I mean, elle avait une femelle, un chien, une femelle. Her female was really a good sport dog, a good weight pull dog, but it is not the most important. C'était un bon chien de sport, c'était un bon chien de weight pulling, mais c'est pas le plus important. Elle était vraiment amoureuse. She was really in love with her dog. Elle était vraiment amoureuse de son chien. I think that we are all almost a little bit in love of our dogs. Je pense qu'on est tous un petit peu amoureux de nos chiens. Et unfortunately, it's happened something really bad. Malheureusement, il s'est passé quelque chose de très très grave. Really bad, but some things that happen a lot. And this is what I'm making this video live. Et quelque chose qui est vraiment grave, mais c'est quelque chose qui se passe très régulièrement. Et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo live. Her dog, sa chienne, is dead because est morte parce que she felt really really bad. So the owner decided, so I mean I'm talking about JC, she decided to bring her dog to the vet. Sa propriétaire était vraiment dans un mauvais état parce qu'elle voyait que son chien n'allait pas bien. Elle a décidé de l'amener chez le vétérinaire. And the veterinary saw that it happened something bad in the stomach and they decided to open the stomach and to watch what's happening inside. Donc le vétérinaire a vu qu'il se passait quelque chose de vraiment mal et ils ont décidé d'ouvrir le corps à l'estomac pour voir ce qu'il y avait exactement à l'intérieur. And they saw that there was something inside and it was a balloon, a ball if you want. Yeah.
ils ont décidé d'ouvrir son corps, d'ouvrir son estomac, et ils ont vu qu'à l'intérieur, il y avait un ballon. I don't know if the balloon. I even don't know if we can say balloon in English or maybe it's only in Dutch. I don't know, but I don't care. The most important is that you can understand me in most of what I'm saying. But je sais même pas si c'était un ballon ou une balle ou peu importe. C'était, en tout cas, c'était quelque chose de similaire qui était à l'intérieur. Et le plus important, c'est que vous compreniez le message. C'est pas les termes. J'étais pas là dans l'histoire. But they saw something. They made a surgery and they remove all the stuff inside the body of this dog. Okay, they remove it from this dog, and then they closed everything. They did their best to save the dog, and at the end of the surgery, it was almost right. It was almost well. Donc ils ont retiré tout ce qu'il y avait à retirer de l'estomac et du corps du chien. Ils ont recousu tout ça, ils ont fermé tout ça. Et à la fin de cette opération, c'était plus ou moins bien. Les choses se passaient plus ou moins convenablement. But the problem is, le problème c'est que after, I don't know if it was after a few hours or after a few days, I don't know all the details of this story. Je sais pas si c'était après quelques heures ou après quelques jours, mais je connais pas tous les détails de cette histoire. But the vet called Jesse the gang and said that the dog is really in a bad state, and you have to come right now because it's possible that the dog will die. Ils ont dit que le chien était vraiment dans un mauvais état et qu'il fallait qu'elle vienne maintenant parce qu'il était fort possible que le chien allait mourir. I don't want to make a video live only about the dog of Jesse the Gang. I'm starting with it, with that, but I have several things to say just after. J'ai pas envie de faire un live expressément sur le cas de Jesse the Gang et sa chienne. Mais je commence par ça, mais après j'aurai beaucoup de choses à dire pour vous permettre à vous de faire en sorte d'éviter que ce genre de choses vous arrivent. So I'm gonna tell you a lot of things just after to give you the possibility that nothing of all of this happened to you. So if you want to avoid, if you want to have a lot of chances that it doesn't happen to you, it will not happen to you. Just stay here, stay tuned and listen to me. Si tu veux être sûr que ce genre de choses ne t'arrivent pas à toi, reste connecté et juste écoute-moi avant d'aller dormir, before to go to sleep. She tried to do her best to go and see her dog for the last time. Elle a fait du mieux qu'elle pouvait, partir du travail pour aller voir sa chienne le plus vite que possible. But her dog died just before she arrived to the veterinary. Et malheureusement, sa chienne est décédée juste avant qu'elle arrive à son vétérinaire. She feels really bad. Elle se sent vraiment mal. I think that everybody in the same situation will feel really bad. Je pense que toutes les personnes dans cette même situation se sentiront vraiment mal. Occlusion intestinale, effectivement, Loïc. Effectivement. So, Loïc Blanco said to us that he almost lost his dog in the same kind of situation. And you know, Loïc Blanco nous dit qu'il a failli perdre son chien dans la même situation. And I'm talking about that because tonight, I mean, this last day, it was about Jesse the Gang and Furby. A dog I often saw in a lot of competition, and this dog was really amazing because she was improving a lot again and again, and we even don't know until when she will improve like that. J'ai vu ce chien dans plusieurs compétitions, elle était en train de s'améliorer, et on pouvait même pas imaginer jusque où est-ce qu'elle irait dans cette direction. C'était vraiment impressionnant. But unfortunately, she finally died. Malheureusement, et finalement, elle est décédée. It's something that happens to a lot of people around me. C'est quelque chose qui arrive à beaucoup de personnes autour de moi. I can talk about Angelica.
I don't want to say a lot of names because I didn't ask the permission to these people if I can talk about them. J'ai pas envie de donner trop de noms parce que j'ai pas demandé la permission à ces gens si je pouvais citer leur nom comme ça. But I think that I can say that the dog of Angelica it was the dog of someone else, but at the end this dog was to Angelica in Holland, and this dog swallowed something like wires, a jute by tug, you know, something like a toy to bite her, and the dog swallowed that, and all the wires came into the stomach and was everywhere. Il y a le chien d'Angelica, j'ai pas envie de citer trop de noms parce que j'ai pas demandé la permission à toutes les personnes que je connais à qui c'est arrivé, mais il y a par exemple le chien d'Angelica qui était à quelqu'un d'autre auparavant, mais qui a été placé là momentanément, et pendant ce temps-là, ce chien a avalé quelque chose comme un boudin en toile de jute. Mais c'est pas la jute le problème, hein. C'est juste que je vous décris la situation. Un boudin en toile de jute. Et malheureusement, elle a avalé des pièces ce chien a avalé des pièces de ce jouet. Et il y a eu plein de fils qui se sont enroués partout dans les intestins, etc. And they made a surgery. They tried to remove everything. And at the end, the dog unfortunately died. Et ils ont essayé de retirer tout ce qu'il y avait moyen de retirer. Mais à la fin, le chien, malheureusement, est décédé. I can talk about the dog of Ocean, a woman who was a lot of the social media, but now it has been a long time that I didn't see her. Je peux parler aussi de la chienne de Ocean, mais maintenant ça fait vraiment longtemps que je l'ai plus vue sur les réseaux sociaux. She had like a male, a black female, and the daughter of her own female. Elle avait un chien, elle avait un mâle, elle avait une femelle, elle avait une fille de sa propre femelle, and the daughter of her own female was exactly what the mom, la fille de sa femelle était exactement comme la maman. She shared a lot of posts of video and pictures about her dogs. Elle a partagé beaucoup de vidéos et de photos au propos de son chien. But at the end, it happened the same thing. Mais à la fin, il s'est passé la même chose. She took something like a toy or I don't know what. Elle a pris quelque chose comme un jouet ou je sais pas quoi. And she swallowed that into the stomach. Everything go every time, everywhere in the organism, in the body of the dog. And they made a surgery. They removed what they could to do. And unfortunately, at the end, the dogs died. Ils ont essayé de retirer tout ce qu'ils pouvaient, mais malheureusement, à la fin, la chienne est morte. Et d'ailleurs, ça fait depuis, from this moment, I didn't see this woman on the social media anymore. Depuis ce moment, j'ai plus jamais vu la propriétaire de cette chaîne en ligne. I have 5 advices to give it to you. J'ai 5 conseils à vous donner pour éviter que ça vous arrive. I can say something because sometimes some people are really lucky, like Spartan Pete's kennel. I'm talking about Ines. On Facebook, Spartan with her dog, one or two months ago, she lived the same situation. Spartan, sur Facebook avec sa chaîne Kelly, this is the name of the dog of her bitch, le nom de sa chaîne, mais elle a eu la même situation. Elle a avalé, she swallowed something like that, elle a avalé quelque chose dans ce genre là et she had a surgery, elle a subi une opération. But fortunately for her, she was saved, I don't know how to say that, mais heureusement pour elle, elle a été sauvée. Aujourd'hui, la chaîne, elle est là, elle court, elle sprint, elle fait tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle peut et tout ce qu'elle veut. But the owner is really lucky. Mais le propriétaire est vraiment chanceux. Spartan, I'm talking about Spartan. Je suis en train de parler de Spartan, qui est d'ailleurs très actif dans nos réseaux sur le groupe Sport for My Pitbull et tout ça. Bah, c'est bien. Heureusement, lui, t'as eu de la chance. Et comme Coco nous dit, Coco say to us, this is why we have to watch out to our dogs at each moment. C'est pour ça qu'on doit faire attention à nos chiens à tout moment. So, I'm gonna give you 5 advices. Je vais vous donner 5 conseils
C'est improvisé, hein, so. First, first thing. People are talking about the muzzle. Les gens parlent de la, les gens parlent de la muselière. Effectivement, Justin, the dog of, obviously, Justin, the dog of Spartan was almost die, was almost dead, but she was really lucky, really lucky. La chaîne de Spartan était, est presque a failli décéder, mais elle était, elle a vraiment été chanceuse. Vraiment. So, whatever. The five advices. First, the muzzle. Premièrement, la muselière. It's something that a lot of people really doesn't care about the muzzle. Beaucoup de gens s'en foutent de la muselière. They say that, yes, my dog is okay, or even if my dog is not okay with the people or with the dogs, I can hold her. I can hold it. Même, il y en a qui pensent que même si mon chien, il est pas okay avec les congénères, il est pas okay avec les humains, je sais le tenir. Je sais le tenir. But, you know, sometimes I go I go in a field and I take my dogs with me and I let them go everywhere because I can see them. Parfois je vais dans des terrains vraiment des grands terrains où il y a personne et je lâche mes chiens parce que je peux les voir et je peux les voir courir and they are smelling almost everything, and they pee, they poo, and they run, they play together. Odin and Sasha, they are just like that. They like to have their own moments when we don't do sports, we don't do something really special. Just the smell, all the environments. I don't know if I can say that. Parfois, je vais avec mes chiens, je les lâche dans des terrains, et ils sentent à gauche, à droite, on fait pas de sport, on fait pas quelque chose de spécial, juste parfois, ils aiment faire autre chose que faire des trucs spéciaux, juste, parfois, ils aiment juste se balader, sentir les choses et aller partout dans l'environnement et se balader. Sometimes, I put the muzzle, parfois, je mets la muselière, sometimes, they don't wear the muzzle, parfois, ils portent pas la muselière. But I'm okay, I feel that the situation is really safe because I'm in this kind of location, this kind of place where, and, yes, where, there are nobody. And I watch the time. It's almost 2 a.m., 3 a.m. So I think that there is really nobody. Je ne suis pas inquiet parce que je vais dans des terrains pendant la nuit, vers 2 heures du matin, vers 3 heures du matin. Donc, il y a des moments où il y a quasiment personne. Et je me sens en sécurité parce que je vois plus ou moins tout autour de moi et voilà. Et parfois je leur mets la muselière et parfois je leur mets pas la muselière et je les laisse un petit peu se balader, sentir, etc. Mais je les garde en vue et je les garde à peu près de moi. But there is one thing about one thing that I don't take the time to think about it. Il y a une chose que je pour laquelle je ne prends pas le temps de penser. Is that, you know, where you are, some people went there before, and maybe they was drunk and they drink something and throw it on the field. Maybe they ate something and just throw the paper on the field, and you even don't know what they threw on the ground. Parfois, tu vas dans des endroits où il y a des gens qui sont passés par là. Peut-être qu'ils ont bu, ils ont jeté quelque chose, ils ont jeté un berlingot, une bouteille. Des fois, ils ont peut-être mangé tu sais pas quoi, ils ont jeté le papier comme ça par terre et ils laissent des odeurs. And dogs can smell it. They can smell all of this. And sometimes they can eat something and you will even don't know that they swallow something. Maybe pepper, maybe food, maybe a toxic food. You even don't know what they will swallow and have in their stomach. Parfois, ils vont partir, ils vont commencer à aller lécher des trucs, boire des trucs, manger des trucs que vous ne savez même pas. Vous êtes dans le noir, parfois même dans le jour, mais ils sont dans un petit coin, ils ont senti un truc, ils l'ont mangé, ils l'ont avalé. Et vous allez même pas savoir qu'ils ont mangé soit du papier, soit un truc qui va pas dans leur corps et ou soit une nourriture qui peut être toxique pour leur corps. And then you will go back to the home and think that everything is okay. I was with my dog on the field during the night, so everything is okay. Et parfois tu vas rentrer chez toi, tu vas te dire ouais, j'étais avec mes chiens sur un terrain et tout était okay. Il y avait aucun problème.
And this is the real problem. Et ça, c'est le vrai problème. Jesse the Gang with her dog Smurf, Furby. Jesse the Gang avec sa chienne Furby. When they say to her that yes, she swallowed a balloon, a ball, something like that. Quand elle a appris que sa chienne avait avalé un ballon ou des balles ou quelque chose comme ça, elle savait même pas où est-ce que sa chienne avait avalé ça. Elle pouvait même pas comprendre parce qu'elle faisait plus ou moins attention à tout. She took care about everything and she couldn't think about where she swallowed this. Where she catches this balloon or these balls or this texture. This is why you have to watch out. C'est pour ça qu'on doit faire attention. So, my solution for the first advice, ma solution pour le premier conseil que j'ai à vous donner, put the muzzle of your dog. Mettez la muselière à votre chien. I have one big muzzle, a muzzle in metal. But a big muzzle, they can breathe, they can drink, but they cannot eat. J'ai une grande muselière pour mes chiens. Ils peuvent respirer, ils peuvent boire, mais ils peuvent pas manger. And I think that it's a good thing. Et je pense que c'est une bonne chose. Because all the people who will say, no, poor dog, why you put the muzzle on your dog? Pour tous les gens qui vont commencer à penser, oh, pauvre chien, pourquoi tu mets le muselière sur ton chien? We don't care about these people. On s'en fout de ces gens. Because when your dog will die, parce que quand ton chien va mourir, they will not be here to cry with you. Ils ne seront pas là pour pleurer avec toi. They will just say, oh, I'm sorry, I'm so sorry. Ils vont juste dire, ouais, je suis désolé, je suis vraiment désolé. But at the beginning, they were the first people to say, why you put the muzzle on your dog? Mais ils vont juste dire, je suis vraiment désolé pour ce qui t'est arrivé, mes condoléances. Mais au début, ils étaient les premiers à dire, non, pourquoi tu mets la muselière à ton chien? Pourquoi tu mets la muselière à ton chien? Tu vois ce que je veux dire? Si ton chien, tu le lâches quelque part dans la nature et qu'il se balade dans les bois, etc., moi, je te conseille de lui mettre la muselière. If your dog can walk everywhere in the forest, in the wood, in the field, I advise you to put a big muzzle on the head of your dog, a big muzzle to allow him to breathe correctly and to have fun and to don't eat some things on the field, maybe poison. Je te conseille vraiment de mettre une muselière à ton chien pour l'empêcher de manger n'importe quoi et peut-être même de manger du poison. It's for your security. C'est pour ta sécurité. C'est pour votre sécurité. Comme dit Coco Albo, I said Coco Albo, it's for, yes, it's for, c'est pour son bien et pour sa liberté. Oh merde, fuck, I clicked on the wrong button. So, whatever. I have four other advices. Peu importe, j'ai encore quatre autres conseils. The cage, la cage. Oh no! Don't use the cage! Don't use the cage! It's abuse of dogs. N'utilisez pas la cage, n'utilisez pas la cage, c'est de la maltraitance animale. People on internet, they like to talk for nothing. Les gens sur internet, ils aiment bien parler pour rien. Oh, it's too easy to use the cage. It's just because you don't want to learn to your dog to don't did stupid things. C'est trop facile d'utiliser la cage. C'est juste une manière de ne pas devoir éduquer ton chien à ne pas faire de bêtises. No, it's not only about that. All dogs are really different. C'est pas juste à propos de ça. Tous les chiens sont complètement différents. You can teach them something. Tu peux leur apprendre quelque chose. But at the end, even if you teach them a lot of things, almost everything, à la fin, même si tu leur apprends un tas de choses, presque tout, if they want to eat one thing at this time, at this moment, on this day, they will do it. S'ils ont vraiment envie de manger ou de mâcher un truc à ce moment-là, ce jour-là, ils vont le faire. And if it's the wrong thing, si c'est la mauvaise chose, maybe they will take some risk. Peut-être qu'ils vont prendre certains risques. Maybe they will die. Peut-être qu'ils vont mourir. Do you want that your dog die? Est-ce que tu veux que ton chien meure? Je ne pense pas. I don't think so. So, this is why I say that even if you teach to your dog to don't do stupid things, si c'est pour la raison pour laquelle même si tu apprends à ton chien à ne pas faire des bêtises,
I think that when you go to the work, to your job, it's better to use a cage. C'est pour ça que je pense que même quand tu pars au travail ou quand tu vas faire des choses à l'extérieur, que tu laisses ton chien à la maison, il est préférable d'utiliser une cage. You can teach to them to go to the cage, like if it was their room, their sleeping room, their bed, from the moment when they were puppy. Je pense que tu peux leur apprendre très facilement à utiliser la cage comme un lit, comme une chambre, depuis le moment où ils étaient petits. Et everything's gonna be alright. Et tout ira bien. But stop to think about, yes, it's animals abuse. It's too easy to do that. Arrête de penser que c'est de la maltraitance animale, que c'est trop facile d'agir comme ça. If it was really animal abuse, they will never sell it in all the shops. Si c'était vraiment de la maltraitance animale, ils n'allaient pas vendre ça dans tous les magasins. We will not talk too much about the cage. On va pas parler trop longtemps à propos de la cage. Just think about if your dog, if you remove everything in a room and you think that everything will be okay, si tu retires tout ce qu'il y a dans une pièce en pensant que tout va bien se passer, you know the dogs are so smart, so intelligent. Tu sais, les chiens sont si malins, si intelligents, and they can think something that you even never think before. Ils peuvent penser à faire quelque chose à laquelle tu n'as jamais pensé avant. They can eat the connection, ils peuvent manger la prise, ils peuvent manger, they can eat the door, ils peuvent manger la porte. They can eat the wall, ils peuvent manger le mur. They can eat everything. They can eat the sofa, ils peuvent manger le sofa, on peut dire le sofa en français. And eat what there is inside, ils peuvent manger ce qu'il y a à l'intérieur. And swallow all of this, and avaler tout ça. And at the end, they can die. Et à la fin, ils peuvent mourir. So you do what you want to do, but all the people who say yes, but why you use a cage for your dogs? You just have to learn them something. I really don't care. All these people on the educator, I don't know. Tous ces gens qui peuvent dire ça, j'en ai rien à faire. Tous ces éducateurs canins, ils sont là à la cage. Oh, c'est trop facile. It's really normal because all these educators, I even don't know if I can say educator. I don't think that it's the right word, but I don't care. You will understand me. The teacher, if you want. All the dog's teacher, who will say to you, don't use the cage. It's too easy. Tous les éducateurs qui vont dire, tous les éducateurs canins qui vont dire, n'utilisez pas la cage, c'est trop facile. But they have to work. Ils doivent travailler. So, if you don't use the cage, si vous n'utilisez pas la cage, you will need to learn how to educate your dog and to prevent them from to do something, to do stupid things. Tu vas devoir, apprendre à éduquer ton chien et leur apprendre à pas faire des bêtises. Et comme tu vas pas savoir comment on fait, tu vas devoir payer leur formation. And you will not know how to do it, so you will have to pay the formation of these people. I don't want to destroy their business. Je veux pas détruire leur business. It's not my goal. C'est pas mon objectif. But what I want to say is that you have two solutions. You can, no, you have three solutions. No, well, we have two solutions. You have two solutions. You can learn to your dogs to don't do stupid things. But when you go to the work or something somewhere else, you put him on the cage. It's not like a jail or a prison. It's just her bedroom. Quand tu vas aller, tu peux faire deux choses. Tu peux faire soit leur apprendre que la cage, c'est leur endroit où dormir. C'est pas une prison. C'est juste l'endroit où tu vas les poser quand tu vas devoir aller à l'extérieur quelque part pour les éviter de faire des bêtises. Or you can just have confidence with them. Tu peux juste avoir confiance en eux. And think like, yes, I'm really confident with my dog. And my dog don't do stupid thing. And my dog don't eat anything. And I don't care because if your dog eats something, it means that your dog is a bad dog. And you are a bad owner. Parce que certaines personnes peuvent agir genre, moi je peux partir parce que mon chien il se comporte bien, mon chien il mange rien, et si ton chien mange des choses, ça veut dire que ton chien il est mal éduqué et que toi tu es un mauvais propriétaire. But it's a mistake to think like that. Pour moi c'est une erreur de penser comme ça. So you act like you want, but I just give you some advice. Tu peux agir comme tu veux, mais moi je donne juste des conseils. So Joachim said to me that I have one friend
who lived his dog inside the house, and the dog bites the door and put his head through the door. And he was blocked. Il y a Joachim qui nous dit qu'il a un ami qui a laissé son chien dans la maison. Il a mangé la porte et il a laissé sa tête bloquée à travers de la porte. This is also a risk. C'est aussi un risque à prendre. Mais bon. Troisième, third advice. Le troisième conseil. Watch out to the toys you give to them. Faites attention aux jouets que vous leur donnez. Sometimes you think that you act right. Parfois tu penses que tu agis bien. You bite something really cute, really sweetie, and you give it to them. T'achètes quelque chose de vraiment mignon, vraiment chouette, et tu leur donnes. You go to sleep and you let it with him. Tu vas dormir et tu le laisses avec lui. But the problem is that the dog will not think like you. He will not think like, oh, my owner bought me something really sweetie. Le chien, il pense pas comme toi. Il va pas se dire, ouais, mais mon chien, mon propriétaire m'a acheté quelque chose qui est vraiment trop, trop mignon, trop frais. He will try, maybe not all dogs, not every day. Sometimes they will let it from during 10 days and at the 11 days, they will start to do something really special. C'est pas tous les chiens. Et parfois même votre chien, il va laisser ce jouet pendant 10 jours, même parfois pendant plus. Et au 11e jour, ils vont décider d'ouvrir ce jouet. And they will start to bite it. What is inside? I swallow that. Feel good. Parfois, il y a des chiens qui vont arriver sur le truc après, à partir peut-être du 11e jour. Pendant 10 jours, ils vont se comporter parfaitement. Mais au 11e jour, ou parfois même après un mois ou après un an, ils vont décider d'ouvrir le truc et ils vont avaler tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est là que les problèmes d'occlusion intestinaux vont commencer. Why? Because of you. Pourquoi? À cause de vous. Why? Because they are just animals. Pourquoi? Parce qu'ils sont juste des animaux. They can don't think like you. Ils peuvent pas penser comme toi tu le fais. So watch out to the toys you give to your dogs. Donc fais attention aux jouets que tu donnes à ton chien. I'm gonna finish with two things, two last things. Je vais finir avec deux derniers trucs. Too much sports. To practice too much sports when the sun shine. Faire trop de sport quand le soleil brille, quand il fait chaud. When the weather is too hot, I mean from 20 degrees. Fuck. I'm gonna make a video to continue. Okay, so quand la météo elle est trop. So I said when the weather is hot, too hot. To practice some sports, any sports. Quand le temps est beaucoup trop chaud pour pratiquer tout un tas de sports, don't practice too much sport. Don't spend too much time with the sport. Just practice it in the morning or almost on the evening. À ce moment-là, quand il fait beaucoup trop chaud, ça veut dire à partir d'une vingtaine de degrés, pratiquer le sport dans la matinée ou dans la soirée. If you don't listen to me, if you act like a stupid idiot, you will be surprised. Si t'agis comme un imbécile, tu seras surpris. Because I know a lot of people who was playing with a dog in a park. Je connais beaucoup de gens qui jouent avec leur chien dans un parc. And at the end, they were playing with their dogs or they were practicing sport with their dogs. Ils jouaient avec leur chien ou alors ils pratiquaient du sport avec leur chien. And they saw that their dogs was like that and finished like that. Ils ont vu que leur chien était comme ça et ont fini comme ça. Oh, Tyson, qu'est-ce qui se passe? Tyson, what's happening? Tyson, please, wake up, what's happening here? Ils étaient là, oui, Tyson, qu'est-ce qui se passe? Réveille-toi, qu'est-ce qui se passe? But they didn't think that the main mistake was about him, about them. Ils ont pas réfléchi que l'erreur principale était à leur sujet. And I'm not talking about the people who has dog with some dogs who already have some trouble with their heart and or something sickness disease with the heart. It's not about them. It's only about the sun, because when the sun shines, it's really dangerous for the dogs to practice sports. Je suis pas en train de parler à propos des gens qui avaient des problèmes déjà de
des problèmes de cœur ou des trucs comme ça. Je suis en train de parler à propos des gens qui avaient des chiens simplement qu'ils ont fait jouer ou entraîner sous le soleil, et donc ça a posé beaucoup de soucis et ça a créé des attaques parfois et des morts subites. C'est vraiment grave. It's really serious and you cannot imagine that it's happened to a lot of people. Tu peux pas imaginer que ça arrive, à quel point ça arrive à beaucoup de gens. Donc il faut prendre vraiment ça au sérieux. So and for finish, I have the last advices. Pour terminer, j'ai le dernier conseil. Be careful to the... Wait, I'm gonna write comments. I'm sorry if you heard the noise, but... Je suis désolé si vous avez entendu le bruit. Yo, so one guy called Pitbull say that, yes, he know a friend who swallow socks. You know what is socks? Il existe une personne qui s'appelle Pitbull ici sur Facebook, et il connaît un ami qui a eu un chien qui a avalé des chaussettes. And it was really serious. C'était vraiment une galère. C'est parti en sucette. This is what I read just right now. So the last thing to say, it's watch out to the food you give to your dog. Faites attention à la nourriture que vous donnez à vos chiens. Because sometimes you think that you will act right. You are eating something, you see your dog watching you like... Parfois, vous êtes occupé à manger et vous voyez votre chien qui est occupé à vous regarder genre... je vais pas refaire le bruit deux fois. Et... And you start to think like, okay, I'm gonna give you just one piece and just one and then it's finished. Et tu vas commencer à réfléchir, tu vas te dire, ouais, je vais donner une pièce, mais genre juste une pièce et après c'est terminé. Hein. And it will be the wrong mistake you can do. Ça va être la pire erreur que tu puisses faire. Because sometimes, maybe you didn't take the time to make some research about what it is toxic for my dog. Peut-être que tu n'as pas fait de recherche à propos de qu'est-ce qui est mauvais pour ton chien et qui pourrait l'empoisonner. And this day, you was eating maybe, I don't know, black chocolate. Peut-être que ce jour-là, tu étais en train de manger du chocolat noir. Or something else. C'est quelque chose d'autre. Just go on internet, on Google, and just Google it. Google that. You just write. What is bad for my dog? Juste va sur Google et tu tapes juste qu'est-ce qui est mauvais pour mon chien au niveau de la nourriture. And you will learn a lot of things. Some things that you can even not imagine. Tu vas apprendre beaucoup de choses, des choses parfois que tu pouvais même pas t'imaginer. And from this moment you will think, oh my god. Even if he watch me like I will not give it to him. Et tu vois, là, tu vas commencer à réfléchir et te dire que même si mon chien me regarde comme ça, genre, je vais pas lui donner. Because I don't want to kill him. Parce que je ne veux pas le tuer. So, watch out. I just gave you 5 advices. Donc, faites attention, je vous ai juste donné 5 conseils. Because I was really touched about what's happened with my Belgian friend, Jesse Degang, from our country. Parce que, j'ai juste donné cinq conseils parce que j'étais vraiment touché par ce qui est arrivé à cet ami de Belgique appelé Jesse de Gang. Et voilà. Donc, soyez courageux et accrochez-vous, faites attention. Nos chiens, ils vont tous partir un jour, mais de préférence, il vaudrait mieux qu'ils partent de vieillesse et pas pour nos erreurs. Watch out, be careful, because in the future, all our dogs will die. But it's better that they die because they are too old than they die because of our mistakes. Ok, je vais arrêter là. Le live va se terminer ici. On est en pleine nocturne et je vois que vous êtes nombreux à regarder ce qui se passe ici. I'm gonna finish right now. I can see that you are a lot of people, even if you are making this during the night. But don't forget that all of we are sharing on the social media will happen between you, me and all the people who want to know. N'oubliez pas que tout ce que je vais partager sur les réseaux, encore à la suite, va se passer entre vous, moi et tous ceux qui veulent savoir. Ok, allez, au plaisir, on se retrouve. Salut les gars, prenez soin de vous et de vos chiens. Salut, au plaisir.